Tu as 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube si toi aussi tu aimes récupérer tous ces webbooks gratuitement. Ok, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés si toi aussi tu aimes recevoir un petit cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite. Pour cela, tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification. Une fois que tu as fait tout ça, tu mets mon code créateur FinTech dans la boutique Fortnite, tu m'envoies une preuve comme quoi tu l'as bien mis, et bien sûr, tu sois un max en tous les DPSN dans l'espace commentaire pour plus avoir de chances d'être tiré au sort. Bonne vidéo. Hey, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, je remonte super bien, comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à rentrer mon code créateur Fintex dans la boutique Fortnite qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Vous le rentrez dans la boutique Fortnite, cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature, aujourd'hui on va tout simplement contacter des pros Fortnite sur Instagram. Du coup, je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir qui m'a répondu et qui m'a pas répondu. Du coup, il y aura tout simplement une grosse surprise de la réponse de la personne. Du coup, je vous invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo, cela m'a fait vraiment super plaisir. Première personne à qui j'ai envoyé un message sur Instagram, il s'agit de Kotaga. Je pense que tout le monde connaît c'est qui. Du coup, je dois tout simplement envoyer un message une semaine. Après une semaine, j'ai regardé pour voir s'il m'a répondu. Il m'a tout simplement pas répondu. Je pense que c'est un peu normal puisqu'il a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram ou 900 000. Je me souviens plus du nombre de ses abonnés. Je pense vraiment que c'est normal qu'il m'a pas répondu. Il a pas que ça à faire à répondre au DM sur Instagram. Du coup, tout simplement, deuxième personne que j'ai contacté, il s'agit de Musset. Je pense que tout le monde connaît. Il a appartient simplement à la Pierce Gang. Du coup, je l'ai simplement parlé avec lui. Ça fait, je pense que j'avais déjà parlé avec lui avant pour un 1v1 sur Fortnite. Voilà, il m'avait simplement éclaté. Et du coup, tout simplement, je l'avais parlé. Je lui ai dit simplement un 1v1 maintenant. Après, il m'a dit si t'es prêt, comme vous pouvez le voir au screen de la vidéo. Troisième personne que j'ai contacté, il s'agit de Strambads. Je pense que tout le monde connaît un peu c'est qui. Il vient tout simplement de la Pissons Gang. La même chose que Michel, voilà, tout simplement de la Villa El Gato. Du coup, j'ai tout simplement envoyé un message sur Instagram. Il m'a tout simplement lâché un petit vu. Voilà, je pense, je sais pas pourquoi il m'a lâché un vu. Ouais, je voulais vraiment pas forcer. J'ai dit pourquoi t'as pas répondu, etc. J'ai tout simplement envoyé un bon courage pour la vidéo, pour les vidéos là des terres avec Walid. Tout simplement, voilà, pour toutes les personnes qui connaissent la série là des terres sur YouTube avec Strambad et Walid de la Pyrrhus Gang. Du coup, j'ai tout simplement envoyé 3 DM à 3 pros sur Fortnite. Voilà, je pense que tout le monde connaît les 3 joueurs que j'ai cités durant la vidéo. Voilà, ils sont vraiment très très forts sur Fortnite. Musset, je pense que je vais le prendre en 1v1. En fait, pas du tout. Voilà, je suis vraiment nul en build fight ou quoi. Du coup, tout simplement les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça change un peu des vidéos de glitch de Fortnite que je fais. Comme d'habitude, ne vous inquiétez surtout pas. C'était Fintex, en tout cas vraiment j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.